Cellular moto. Racist yet seco am moto of Cellular motor You want You Cellular Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Je salue tous mes fans. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. On dira mon musi pour les Guinéens et Guinéens là-hi au rang. Quand la cam tourne derrière nous là, faut On partage vos vidéos quand leurs groupes y faut. Mais à nino, mais à la haridere pas mais à la live parce que je ne me sentais pas bien. Mais masha allah hamdoullah, rabbi la Je suis en train de me récupérer, mollo, mollo. Donc, chers guinéens, chers compatriotes, donc, euh, oh, en aredo, you to go pour mettre les choses en point final. Qu'est-ce que je, je veux dire par après Donc, euh, sortie de Amara, campagne de Dumbuya, <laughs> et les gens là, l'école est bon, hein? <laughs> L'école est très très bon. Quand on n'a pas été à l'école, ça devient une maladie aveugle mentale. Ça devient une maladie aveugle mentale. Vous êtes pressé, Mamadi Doumbia sera candidat, campagne pour Mamadi Doumbia. Je dis, vous êtes des analphabètes, vous n'avez jamais été à l'école dans votre vie. C'est comme hier, je discutais avec un, un monsieur là, je discutais avec euh, un Guinéen hier, et le, un supporter de Mamadi Doumbia, le CNRD. Donc, euh, il me, parlait, il me parlait que Mamadi Doumbia est bien, Mamadi Doumbia est en train de travailler. Je dis maintenant qu'il me cite le travail que Mamadi Doumbia est en train de faire. Il y avait un autre encore qui était contre Mamadi Doumbia. Ce dernier disait si Mamadi Doumbia a pris les armes, il ne veut pas respecter son engagement-là. Il faut utiliser les armes contre Mamadi Doumbia. Comme il est malinqué, il s'est vite fâché. Qu'on ne doit plus faire un coup d'État en Guinée, tout le temps c'est coup d'État sur coup d'État, ça, ça, ça dit c'est pour mettre le pays en retard. J'ai dit, qui a voulu mettre le pays là en retard Qui est parti braquer Alpha Condé au pouvoir Vous savez, le mot, phrase, braquage là, j'étais le premier à dénoncer ça sur les réseaux sociaux, dès les bi. J'ai dit, Mamadi Doumbou a été un braqueur, Mamadi Doumbou a braqué une nation. Maintenant, c'est le mot là qui est utilisé même par le professeur Franklin Yamsi. Donc, oh, qu'est-ce qui se passe Je lui dis maintenant, voilà, que il me disait, ça dit, <laughs> je lui dis maintenant, et Mamadi Doumbé va présenter une constitution bientôt au Guinée, que ça s'appelle l'avant-projet de constitution. Je lui dis d'abord, le mot là, l'avant-projet de constitution, n'est pas français. Il dit non, tu fais comme si tu n'es pas intellectuel. Je dis, je ne suis pas un intellectuel moi, je suis un grand alphabète. Je n'ai jamais été à l'école dans ma vie. Je dis maintenant qu'il me donne la définition du mot. C'est-à-dire de la phrase. Avant projet de constitution, ça veut dire quoi C'est là-bas, il est bloqué, il ne peut pas m'expliquer. Après, il s'est mis sur ses nerfs. Moi, tu ne peux rien m'apprendre en termes de loi. étudié aussi. J'ai dit moi, je n'ai jamais été à l'école. Je ne t'ai pas dit que j'étudiais. J'ai dit seulement, je lui ai posé cette question seulement. Donne-moi la définition de la phrase ou mot que tu es en train d'utiliser devant moi. C'est-à-dire, hein? je l'ai dit, donne-moi seulement la définition de ce que tu appelles avant-projet de la Constitution. Ça veut dire quoi? Il me dit, non, c'est le chemin des grandes lignes. Je dis, chemin des grands, grandes lignes de quoi? Le TGV, le, t, le, TGV le, 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 le train en grande vitesse, la ligne de train, le projet de grandes ligne. Quelle grande ligne? C'est comme ce que le, ce farféli là, disait à la femme journaliste là, et ce petit ethno, ce crespulé, crespulé mental de Dansa Kuruma. Vous avez vu sa déclaration devant la femme, la femme journaliste de TV5 Monde le jour là. Je me suis attaqué à Dansa. Il disait à la femme, je me demande, mais les gens là, c'est dans quelle école même ils ont, ils ont étudié qu'on les appelle même docteur Docteur en quoi Docteur en mensonge Il dit non. C'est la charte qui doit s'adopter à la constitution. Regardez-moi comment un alphabète raisonne. C'est la charte qui va s'adopter à une constitution. Une constitution qui n'existe même pas d'abord. Comment une charte va s'adopter à une constitution Donc c'est la même chose que j'ai discuté avec l'autre là hier. Je lui dis maintenant. Avant projet Avant-projet de la Constitution, ça veut dire quoi Donne-moi la définition. Rentre dans les détails, tu m'expliques. Ça signifie quoi Ça détaille quoi Il est incapable, après il s'est fâché, il est... Il est J'ai dit, il ne faut pas... La liberté, ça c'est, nous sommes là, on n'est pas en train, je ne suis pas de l'IFDG, qui es est, c est tu es simple, qui est simple quelqu'un qui soutient Mamadi Doumbia. Moi, je ne suis pas de l'IFDG. Mon combat, je mène mon combat pour tous les Guinéens. Voilà. J'ai dit maintenant, donne-moi ça, la définition de avant-projet, ça veut dire quoi Ils sont incapables d'expliquer. Ah, tu sais, la constitution, non, donne-moi la définition de, de la phrase que Dieu vient de me dire, projet d'avant-constitution, ça veut dire, j'ai dit, va fouiller, va demander les grands professeurs, les grands professeurs en français, de la langue moulière là. J'ai dit ça là d'abord, ce n'est même pas français. C'est français de la délinquance inventée alors. C'est le français de la délinquance inventée. Avant, ça dit avant projet de la Constitution. Regardez-moi des analphabètes comme ça qui raisonnent. Avant projet de la Constitution veut dire quoi Il est incapable de m'expliquer. Il est incapable de me donner la, de, de me donner la définition. Donc ça, c'était entre parenthèses. Personne n'est, ça dit, vous êtes libre de soutenir Mamadi Doumbouya comme vous voulez. Mais... Les gens qui, qui disent qu'ils ont été à l'école là, qui continuent à soutenir les mensonges là, de Mamadi Doumbouya là. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya n'est pas plus que Capitaine Moussa Dadis Kamara. Mamadi Doumbouya n'est pas plus que Kéboro. Que, que Mamadi Doumbouya n'est pas plus que Pivi. Mamadi Doumbouya n'est pas plus que l'autre là, comment il s'appelle eh, Qui est encore en prison là-bas. C'est lui, Sadiba Koulibaly. Mamadi n'est pas plus supérieur à l'autre là. Eh, C'est les cinq qu'ils ont assassinés là. Mamadi Doumbouya a pris les armes. Il a assassiné plus de 280 personnes. Il a versé du sang. Vous avez entendu la déclaration du de, de professeur eh, Franklin Nyamsi. Ce qu'il a dit, non Du carnage, carnage du sang. Donc Mamadi Doumbouya, il s'est levé un beau matin le 5 septembre. Il est venu s'attaquer à une nation. Il est venu braquer une nation. Ce pays, depuis le 5 septembre 2021, ce pays est pris en otage par des criminels ethnos. Par des criminels ethno. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant là Il faut faire campagne pour Mamadi Dumbuya Et c'est Mamadi Dumbuya qui sera là. Sorti de KPC là, nous on n'est pas pressé. Ils veulent couper le live. Qu'est-ce qu'ils veulent dire Ils ne signalent pas à Parce que quand tu parles là, ils ne pas Il y a un feu, un feu noir qui signale dans le téléphone. Si ils ne pas moi, je vais faire un coup de gorge. Je vais aller à

Morikonde, et etc. La Guinée n'appartient pas à un petit groupe d'ethno-malinqués. La Guinée appartient à, à moi, à un autre Guinéen, à une autre personne. Nous sommes tous des Guinéens. La Guinée, personne n'a le monopole de diriger ce pays-là. La démocratie, c'est quoi Il faut aller aux élections. Notre, les Guinéens vont choisir le président qu'ils veulent qu'ils dirigent ce pays-là. Donc, je l'ai même posé la question. Voilà, j'ai même oublié. Je l'ai posé même la question. Donc, pour lui dire non, ce qu'on est en train de dire, comme ce que Maman Di Dunguia les a fait comprendre, que la démocratie est comme ça. Et pour le moment, les Guinéens n'ont pas besoin de la démocratie. Lui, je l'ai dit en face. J'ai dit si tu vois que tu es en France aujourd'hui ici là, c'est parce qu'il y a eu la liberté d'expression qui est en cours en France. Si c'est parce que la liberté d'expression existe en Europe, ici en France, c'est pour cela que tu es là aujourd'hui. Que les gens peuvent critiquer Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, on ne les convoque pas, on ne les fait rien. C'est la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Si toi-même tu es en France aujourd'hui, c'est grâce à ça. Si la démocratie n'est pas nécessaire, toi-même tu ne devrais pas même être alors en France. Je le dis dit ça, il dit non, est... je dis c'est la même chose. Si tu vois que les gens sont quittés en Afrique, ils sont venus en Europe ici-là, on les a acceptés. C'est parce qu'il il, il y a le droit de l'homme. Il y a eu des institutions qui reconnaissent que si quelqu'un est en danger dans son pays d'origine, il peut venir se confier à un pays. Même le prophète Mohamed, quand il a eu des ennemis là, il a quitté, il a fui, il est parti en Arabie Saoudite. Je ai donné les exemples là. Ok. Donc maintenant, ce que vous vous n'avez pas compris là, je vous ai dit le cas de Mali. Burkina, Niger, là, c'est pas la même chose. Mais vous jouez tout le temps à l'alphabétisme. Quand ça vous arrange, vous jouez à l'alphabétisme. Quand ça ne vous arrange pas, là, vous jouez à l'intelligence. Mamadi Doumbouya, personne n'a forcé Mamadi Doumbouya de prendre des documents, signer. Remettre à la communauté, communauté internationale, la Cedia ou la Francophonie, l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies, l'ambassadeur des États-Unis à Conakry, personne n'a mis, mis les Kalashnikov sur le coup de Mamadi Doumbouya, qu'ils vont aller rentrer dans une chambre, 12 Malinqués, 13 Malinqués ethnos, ils vont aller faire des accords, sans consulter aucun parti politique. Hein. Ils sont partis souligner eux-mêmes les 10 points-là. Ils ont pris les copies. Et la signature de Momadi Doumbouya est là-bas. Il a pris les copies, il a remis à Yai Boni. Va remettre la copie-là à la CDA au Nigeria, à Boucha. Et il remis une copie aussi à Ali Touré, Ali, et le Gambien. Personne n'a forcé Momadi Doumbouya. On n'a pas mis de pistolet sous son cou, c'est lui qui a reconnu ça. Il est venu encore dans ses propres chartes qu'il a braqué le pays. Il a inventé des chartes privées à son nom. Parce que les chartes-là n'ont pas. Mamadi Doumbia a créé des chartes où il n'a pas consulté un Guinéen, où il n'a pas demandé l'avis d'un Guinéen. Il se lève un beau matin, il organise un coup d'État, il prend les armes, il va aller braquer Alpha Condé, déchirer la chemise d'Alpha Condé, humilier Alpha Condé, humilier Alpha Condé, et venir nous dire lui, il, il a inventé une constitution et euh, une charte à laquelle lui-même, il ne respecte même pas la charte-là. À son article 47, 46, par exemple. Il y en a, on a 65, on a 55, on a 47, on a 8. 8 même, il vient même nous interdire même la manifestation. Et dans la charte de la bonne gouvernance, de la charte de la CDAO, à son article 20 là, lisez seulement qu'est-ce que ça prévoit. Mène à nous, comme c'est Mamadi Doumbouya qui s'est levé avec son CNRD, à son article 46, ni lui, ni quelqu'un d'autre sera candidat là. Il a signé. MashaAllah, Alhamdulillah, Rabbil Maintenant, après le 31 décembre, là, tout ce qui va arriver en Guinée, là, le premier responsable, là, si nous sommes rendus. Ran... Je, hein, je vous dis, vous qui aimez gueuler là, Mamadi Doumbouya, vous n'avez rien compris. Hein. Le 31 décembre, là, si ça passe, Mamadi Doumbouya ne sera plus reconnu président de la transition en Guinée. En tout cas, je ne sais pas s'il y a d'autres Guinées à Kankan là-bas, dans Kankan là ou dans Farana là. Peut-être oui. Mais en République de Guinée là, Mamadi Doumbouya ne sera plus reconnu comme président de la transition. Je vous mets en garde. Comme vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est qu'une signature là, vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est que des témoignages. Vous avez vu même après la mort de Hitler, après euh, l'enquête de Hitler là, il y a des gens qui avaient collaboré avec Hitler, ils ont fui l'Allemagne, ils sont partis se réfugier jusqu'en Amérique du Sud. Ils ont fait 90 ans, ils étaient là-bas. D'après les enquêtes, après on les a tous récupérés, on les a amenés jusqu'en Allemagne, on les a condamnés. 30 ans, 40 ans de prison, après avoir même 80 ans de vie dans un autre pays, en asile. Donc, ça, c'était des exemples. Maintenant, le cas de Mamadi Doumbouya, il est en train de prendre l'argent de la Guinée. D'après la révélation de Jeune Afrique, là, que Mamadi Doumbouya dit qu'il ne veut pas être candidat. Parce que moi, je vous dis.

Parce qu'il vous a étudié, il vous connaît très bien. Vous êtes des malhonnêtes, des ingrats. Je ne dis pas tous les malinqués. les cadres malinqués là, ceux qui font la politique, ceux qui se croient, euh, qui se croient intellectuels plus que tous les autres là. Vous êtes malhonnêtes à la première qualité même. Pro-max même, 16 pro-max de la malhonnêteté, vous les cadres malinqués là, les intellectuels malinqués là. Sinon. Namori Traoré ne devrait pas se soumettre devant un petit bambin comme ça de Doumbouya qui quitte en France, qui va venir attraper Alpha Condé comme ça, jusqu'à même lui dire que le colis est maîtrisé. Hein? Non, Mamadi Doumbouya est loboni. Mamadi Dumbuya, tu as des foutaises. Tu attrapes Alpha Condé, tu changes même son nom. Tu dis Alpha Condé est devenu ton colis. Le colis est maîtrisé. Hein? Ça seulement, ça devrait vous choquer même. Hein? momembra ka ko beta kablaila disposition no qima falin qi bo sunaji ni boojiro qike adamarindi ilemamosi duniya temalame no iye me namaleyala fo mamadi dumbwya avec ses beaux discours de 5 septembre alphacondé a violé larticle 27 de la constitution de 2010 le 1 mai alpaée ape gui La justice sera la boussole. Cette justice est devenue sous-sol maintenant. Où est la justice? Où est Founike Mange? Où est Bilo? Qui a tué Sadiba Koulibaly? Qui a tué Célestin? Aujourd'hui encore, ça ne les suffit pas. C'est des gens qui n'ont même pas de parti politique. Ni, ni ça dit, ni et qui travaillent, ni dans la société civile, ni dans FNDC. C'est les gens là encore qu'ils vont prendre aujourd'hui. Les kidnapper encore, les déposer à quand, quand, quand Alpha Yaya. Là où je vous parle, là, les gens qu'ils ont kidnappés hier ou avant-hier, il est déposé au camp Al-Faya. Qui les a kidnappés aussi, c'est le stable de Bala Samura. Bala Samura. Hein? Les gens qui ne font même pas la politique, qui ne, qui ne sont rien même. Vous partez vous apprendre à ceux-là encore, les prendre, les déposer dans le camp Al-Faya encore, en train de les torturer là-bas, parce qu'ils ont refusé de soutenir Mamadi Doumbouya en place. Tout ça là, vous ne dites rien. Les malinqués vont et vous faites semblant. Mais je vais vous dire, vous les malinqués là, je ne dis pas tous les malinqués, les petits malinqués qui font, qui fait semblant de dire que le pouvoir en Guinée, ça fait de mandingue là. Mamadi Doumbia ne défend pas le mandingue. Enlevez ça dans votre tête. Je vais vous dire et prenez note ce que je dis aujourd'hui là et gardez ma vidéo là comme souvenir. Aujourd'hui, nous sommes le 18 novembre 2024. Si vous ne faites pas attention, vous les petits malinqués ethno là, qui sont côté de Mamadi Doumbouya, vous pensez que le pouvoir appartient seulement aux malinqués là Si vous ne faites pas attention, vous les autres malinqués là, Mamadi Doumbouya, ils vont vous laisser dans un problème qui ne va jamais finir, jusqu'à la fin du monde. Mamadi Doumbouya, a le problème là, il y a les malinqués honnêtes là, sincères là. Mamadi Doumbouya, si vous ne faites pas attention, Mamadi Doumbouya va vous mélanger dans un problème qui ne va jamais finir contre vous jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, il fait l'arrogance là, vous voyez, vous ne disiez rien. Mais hey, Mamadi Doumbouya, il est l'éleant. On tue les forestiers. Il n'a même pas laissé les malinqués. Mais ça, mettons ça de côté là. Il tire les forestiers, il tire les peules, il tire les soussous, -sous, il les fait du mal. Vous êtes là, vous êtes assis, vous êtes en train de taper la main pour lui. Demain ou après-demain, quand quelqu'un d'autre va venir pour dire maintenant, on va vous prendre pour vous remettre à la justice. On ne veut pas voir quelqu'un qui va sortir ici, les peules sont des ethnos, les soussous -sous sont des ethnos, les forestiers sont des ethnos. On ne veut pas entendre ça, hein, parce que nous, en ce moment, on va appliquer la justice. Sinon, le procès de 28 septembre. On ne peut pas condamner les dadis. Laissez Sokba, qu'on a été en France ici, coucher en train de boire des champagne. Laissez Bala Samora en train de se promener dans, dans les voitures qui coûtent de 300 à 400 000 dollars à Conakry, qui étaient même sur le terrain de l'histoire du 28 septembre. C'est pour cela que la CPI, hein, la Cour pénale internationale, a rejeté même, a rejeté même les verdicts de, de, de la condamnation de ce qui s'est passé en Guinée. Mais vous prenez aujourd'hui, les imbéciles, là, ils te parlent 2040. 2040, c'est quel projet qu'on appelle 2040 Je vais dire aux Guinéens d'abord. Je vous ai dit qu'Alpha Condé a trahi tous les Guinéens. Je n'aime pas Alpha Condé parce qu'il n'a pas respecté. Alpha Condé est un grand combattant de la démocratie. 45 ans, un ancien leader. Alpha Condé est venu au pouvoir. Il a imposé la dictature à sa façon. Mais quand il va dire ça là, tout le problème aujourd'hui qui est sur les Guinéens aujourd'hui là, c'est grâce à Alpha Condé. Tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui là, Mamadi Doumbouya, Sadibakoulibal est mort, c'est grâce à Alpha Condé. Parce que Alpha Condé n'était pas obligé de faire un troisième mandat. Mais quand il dit ça là, ça énerve d'autres blogueurs, ça énerve d'autres communicants là. C'est la vérité. Il n'était pas obligé de faire griller un troisième mandat. Non. Il devrait respecter sa parole, son combat de 45 ans. S'il n'a pas travaillé pendant 10 ans, qu'il dégage, qu'il quitte le pouvoir. Mais comme il avait honte aussi de faire 10 ans au pouvoir, après son 45 ans de, de combat, là, les gens vont dire Ah, Alpha Condé était un. Vous avez entendu même la déclaration de Santilo, que c'est un faux type. Il n'a jamais respecté son engagement. Qui ne connaît pas Alpha Condé Vous. Vous venez aujourd'hui, vous signez ça, le lendemain, Alpha Condé s'en fout, il jette tous les documents que vous avez signés. Qui ne connaissait pas la, la métamorphologie d'Alpha Condé Mais quand il dit ça là, d'autres RPGs, d'autres communicants, de euh, blogueurs là, ils vont dire non. C'est Alpha Condé qui nous a mis dans ça en Guinée. Reconnaissez ça quand même, c'est Alpha Condé. S'il tendait la main à celle à Sidia ou à une autre personne là, Maman dit, n'allait pas avoir la route pour faire le coup d'État et il a été trahi encore par qui Par ses propres frères malinqués qu'il a nommés Namori Traoré, Commando Farai, etc. etc. Qu il, qui, a trahi, qui a trahi Alpha Condé Saliba Koulibaly, qui était un grand, un grand intellectuel, haut cadre de l'armée guinéenne, qui a fait des formations jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Russie, partout dans le monde entier. Est-ce que Saliba Koulibaly était obligé de se soumettre à Mamadi Doumbouya. Pourquoi ils ont assassiné Sadiba Kouloubali? Parce que c'était quelqu'un qui a dit à Mamadi Doumbouya qu'ils doivent respecter leur engagement. Est-ce que d'abord Sadiba Kouloubali était obligé de respecter la trahison contre Alpha Condé ou Namori Traoré? Mamadi Doumbouya les a trompés parce que Mamadi Doumbouya est plus intelligent que vous. Il sait que vous êtes des ethno-malinkés dans l'armée là. Vous êtes des racistes dans l'armée là. Mamadi Doumbouya a joué le mot là avec vous. Vous êtes tombé dans son piège. On, Alpha V remet le pouvoir au peuple. Alpha V remet le pouvoir à Selou. Vous êtes tombé dans le piège de Mamadi. Parce qu'il il vous a beaucoup étudié. Depuis que Doumbouya est rentré Dumbuya, à la tête de la des de, de forces spéciales, Mamadi Doumbouya vous a étudié. Les assassinats de l'axe là. Mamadi Doumbouya était devant. Il était derrière. Il connaissait comment les gens là avaient une haine contre l'ethnie Peul. Comment les gens-là avaient une haine contre les les, ça dit, les enfants de l'Axe, la commune de Ratoma. Donc il faut aller les saccager, il faut aller les assassiner, il faut, il faut les traumatiser. Mais hey, si Alpha Condé pouvait tuer tous les peuples-là, c'est que Sekou Touré n'a pas fait. C'est pas Alpha Condé qui a venu. Alpha n'a pas fait ça. C'est pas Mamadi Doumbouya qui va venir finir les peuples. C'est impossible. Mais je vous dis seulement, je vous mets au défi. 31 décembre 2024, je vous dis, le pouvoir de Mamadi Doumbouya est fini. À partir de 31 décembre 2024, la Guinée sera ingouvernable. On va faire comme ce qui se passe à Haïti là-bas. On va former les clans. La Guinée sera dirigée par des clans et les clans. Vous allez voir, ça va se passer devant vous. Vous avez dit que Mamadi Doumbouya a les armes, Il est venu par les armes. On va utiliser les armes aussi pour déloger Mamadi Doumbouya. Je vous mets un, par signature ma parole là. Ma parole, là, e be, par mi est venu par les armes. Il a prêté serment, il a juré sur le Coran, il ne respecte rien, il tue les gens, il a mis le pays en retard de 20 ans encore. Détournement sur détournement, corruption sur corruption, ils ont bâti le record de corruption de la République de Guinée. Hein? 2000, eh, le 5 septembre, eh, septembre jusqu'à novembre aujourd'hui, 2024, là. 3 milliards millions de dollars que les gens-là ont détourné en Guinée. Les CNRD, 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes aujourd'hui, novembre 2024, hein? 3,7 milliards et quelques millions de dollars que les gens-là ont détourné en Guinée. En 3 ans et quelques, ils sont devenus riches, millionnaires en dollars, milliardaires en francs guinéens. Vous pensez, les Kassori sont déposés en prison sans preuve d'accusation, est là-bas. D'autres même, on les a jugés, on dit qu'ils ne sont pas... Ça dit, de les laisser là, vous les détenez encore en prison par la force. Vous pouvez juger quelqu'un de la corruption en Guinée, bande des ethnos que vous êtes dans l'armée. Donc, vous qui, vous qui venez ici, là, farfeliser, ici, là, farfeliser sur les réseaux sociaux, là, Mamadi Doumbouya, KPC, lui, je ne l'écoute pas. KPC... Comme il KPC, lui, il sait combien de milliards qu'il doit donner aux Guinéens. KPC, les crédits qu'il a pris à la banque. En Guinée, KPC, les crédits qu'il a sur sa tête là. C'est pour cela qu'il sort. Il sort faire les hey, On est au courant de tout, mais on n'est pas pressé. On a votre dossier de A jusqu'à Z. Commençons d'abord KPC, l'argent que tu as déposé à la banque en Suisse là-bas avec ce coup qu'on a Les 75 millions d'euros là que le ça dit, la justice de, de, de Genève a saisi l'argent là les 75 millions d'euros là que tu avais déposé sous ta signature avec ce coups qu'on a là KPC on a tous les dossiers on n'est pas pressé les milliards et les milliards de francs guinéens là quand le CNDD est venu là renouvellement de euh, là, du camp militaire Cambouaro, là KPC là Tina c'est pour cela que tu as été au Sénégal non KPC, il y a un au Sénégal, pour ouvrir ça dit une société là, de construction. Demandez KPC, qu'est-ce que les Sénégalais l'ont dit Qu'il n'a pas sa place au Sénégal là-bas. Demandez lui. Demandez KPC, pourquoi les Sénégalais l'ont rejeté Parce que lui, il pensait que ce qu'il faisait au Guinée là-bas, allait mélanger des ciments à 25% ou 10% là, construire des maisons bidon, après un mois là, les maisons tombent là. Et KPC pensait qu'il pouvait aller faire la même chose au Sénégal. Les Sénégalais, c'est des gens qui sont matures. Les Sénégalais sont des intellectuels. Les Sénégalais ont été à l'école plus que les Guinéens. Les Sénégalais ont fréquenté l'école plus que les Guinéens. Tu peux pas aller un alphabet comme KPC. Tu vas aller créer une société en Guinée, à Dakar là-bas, pour escroquer les Sénégalais. Ça ne peut pas marcher. Les Sénégalais, les Sénégalais t'ont dit de quitter. Il ne faut même pas venir à Dakar parler d'une société de construction. Tu sais, là-bas. Les Sénégalais, c'est des grands menuisiers, c'est des grands maçons en Afrique de l'Ouest. C'est des gens qui connaissent comment construire une maison en Afrique de l'Ouest. Hein? KPC. Sans parler maintenant de Macanera. Macanera pour lui c'est une honte totale. Voilà quelqu'un qui, qui est né hors sujet même, qui n'a même pas de dignité. Où moi j'ai connu Macanera pour la première fois? C'était euh, à la douane, sur le grand frère Calva. Quand il partait derrière l'autre là, Cabassan. Cabassan, je pense, oui, Cabassan était dans la cour de Monsieur Calva là-bas, à côté de la douane. C'est là-bas que j'ai connu le gueulard de café, et l'autre là, et Macanera là. Quand il partait là-bas avec ses cravates qui étaient sales là, ses qui ont de la poussière là. C'est un vantard! Un escroc! Un prostitué intellectuel! Hein? Macanera! Un vrai délinquant! Un quelqu'un qui n'a pas de dignité! Hein, qui n'a pas de dignité. Il est sorti ici, il s'est attaqué à toute la famille de Lamine Girassi. Ça s'est passé devant tous les Guinéens. Il a insulté le papa de Lamine Girassi. Toi là, Makanera aujourd'hui là, toi ta place est où Tu seras jeté dans la poubelle de l'histoire de la République de Guinée. Toi et Baouri là, vous êtes des délinquants intellectuels. Vous êtes des criminels intellectuels. Vous êtes des voyous, voyous de la République. Toi, tu vas aller te jeûner devant. Regarde même, tellement que tu es bête, tu n'as pas de tête, regarde la photo que tu as prise avec Amara. Amara n'est même pas content de te voir devant lui. Les photos là, ça parle clair. Amara n'est même pas content que tu t'arrêtes devant lui pour faire une photo. Tu as oublié ce que tu disais sur Amara. Que Amara est quitté où Pour arriver jusqu'au palais là-bas, que Dumbuya va nommer Amara. Tu as oublié tout ce que tu gueulais sur Amara là. Regarde même la photo là où tu es arrêté avec Amara. Tu forces même de rire. Amara n'est même pas content que tu t'arrêtes à côté. Parce qu'Amara sait que tu es un malhonnête. Tu es un ingrat. Qu'est-ce qu'Alpha Condé n'a pas fait pour toi Comme tu voulais te farfeliser comme ça. Là. Alpha Condé t'a dit que tu es très très mal élevé. Ma canéra. Alpha Condé t'a dit que tu es très impoli. Tu voulais te gonfler là. Montrer les lois que tu as étudiées là. Alpha Condé t'a renvoyé à chier non. Alpha Condé t'a enlevé comme ministre. Tu as quitté là-bas. Tu es venu cesser l'eau. Tu te rappelles de ta vidéo là. Tu dis que depuis que tu es tombé malade à l'hôpital, personne ne peut venir te rendre à visite à l'hôpital. là, Si ce n'est pas la femme de loups c'est loups Ou c'est loups dans les FDG. Je ne me rappelle pas de la vidéo là. Parce que c'est une vidéo. Je vais chercher la vidéo là après. Je vais faire jouer ça. Tu as dit que c'est la famille de Célu qui est venue te rendre visite à l'hôpital. Tu te rappelles de ça Là-bas aussi, tu as sauté. Vous étiez. Tu étais le premier encore à accompagner Doumbouya. Aujourd'hui, c'est toi qui vas sortir maintenant, chercher à faire campagne pour Mamadi Doumbouya. Un, un criminel qui a pris des armes pour braquer un pays, pour braquer même Alpha Condé qui t'a nommé comme ancien, mini, ancien, ancien ministre. là. Alpha Condé t'avait nommé dans son gouvernement comme ministre. Il vient prendre les armes, il braque Alpha Condé. C'est toi aujourd'hui qui vas sortir. Tu nous parles même de la démocratie, une nouvelle histoire qui va commencer entre toi et Amara. Mais vous serez jeté dans la poubelle de l'histoire de la République de Guinée. Bientôt. Tout ce que Dieu fait, bon. Aujourd'hui, tous les Guinéens, on, on a vu le visage de tous les vrais Guinéens. On est en train d'étudier tous les vrais Guinéens. Parce que quand après, le 31 décembre va passer ici-là. Personne de vous ne va dire qu'il était un, que ça dit qu'on lui avait traumatisé de venir soutenir Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, lui, sait là où il est là. Il sait en arme et conscience. Il sait qu'il ne peut pas se foutre de Guinée, Mettre les dadis en prison. Venir nous faire le procès de 28 septembre. Là où lui-même il a assassiné, crime contre l'humanité là. De plus de 500 et quelques personnes aujourd'hui, depuis qu'il est venu au pouvoir. Si on calcule. On calcule des gens que mon mari Doumbé a assassiné aujourd'hui. On va, on va même arriver jusqu'à 600 personnes. Le 5 septembre 2020, 2021, là, il y a plus de 250 morts. Il y a des vidéos. La liste, elle, la liste est là maintenant. C'est 280 morts, 204 carnage du sang, comme ce que disait le, eh, Franklin Yamsi. Carnage du sang. C'était jamais vu dans l'histoire d'un coup d'État en Afrique de l'Ouest. C'était la première fois. Assimi Gauthier a tiré des Maliens comme ça. Ibrahim Traoré a versé du sang comme ça. Tiani a fait couler le sang comme ça au Niger. Gabon, il a, eh, oh, oh, il a versé du sang comme ça. Chad, moi, je ne mets pas ma main dans l'histoire des, des juniors débiles. Là. Laissons tomber ça. Hein? Les gens l'ont assassiné comme ça, leur population. C'est vous. Makanera, soi-disant intellectuel, maraboule, 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 des politiciens. C'est toi qui vas aller regarder même comment tu es arrêté, même dans la photo là. Tu fais pitié, tu es misérable. Makanera, il m'a kini kini. Hore di Adam Adama di Après, c'est sa grande bouche là qui va ouvrir maintenant dans les médias là, qu'il a étudié le Coran. Le Coran t'a dit de faire ce que tu es en train de faire là. C'est écrit dans le Coran. ndbakarani algurana koln kinkmyimtanans dmaboi mamadi dumbuyebeto tmakanra yagi bara, yagi bara kberasranim hmm? yagima fuyante nnra duniyante fe kolon tare nanira makanera

des gens qui n'ont aucune dignité humaine. Vous vous pouvez parler de la politique quand un politicien en Guinée. des poubelles, des, des déchets toxiques comme ça, de la poubelle, de, 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 de la politique guinéenne. C'est pour cela que je vous qualifie. Vous êtes des, vous êtes des, des jardins de la politique guinéenne là. qu'il faut comment dire en italien là. Vous n'avez aucune dignité humaine. Vous vous allez venir parler de la politique au Guinée aujourd'hui. Voilà les gens. Politique de ventre. Quand il a faim, il court. Il court comme un chien pour chercher à manger partout. Si c'est pas après demain, c'est Dumbuya, c'est une autre personne encore. C'est des chiens de la politique Guinée. des chiens comme ça qui ont faim. C'est des chiens, c'est des chiens qui ont faim comme ça. Vous savez quand le chien a faim, le chien il passe partout pour chercher la nourriture par terre. Voilà des chiens qui font la politique en Guinée, politique de ventre, aucune dignité. Tu es fier de sa sortie, tu montrer avec Amara, tu fais photo avec Amara. Amara n'est même pas fier de ça. Amara n'est même pas content. Va revoir. Va revoir la photo là. Entre toi et Amara. Regarde comment Amara a serré son visage. Tu ne comprends même pas le message. Malhonnête que tu es un grand macanera. C'est toi qui viens nous parler que tu vas soutenir ces criminels-là au pouvoir. Fais tout ce que vous voulez là. Le 31 décembre 2024, je vais dire. Si Mamadi Doumbia dit qu'il va s'imposer, comme ce que disait Dadis, il veut se cramponner au pouvoir à partir du 31 décembre 2024. Hein? S'il y a déclenchement d'une guerre civile, le premier responsable d'abord, ça sera Mamadi Doumbia. Écoutez, écrivez ça dans les commentaires. Le premier responsable d'une guerre civile qui va se déclencher le mois de janvier là, en Guinée, là, ça, le premier responsable d'abord, ça sera Mamadi Doumbia. Parce qu'il n'a pas respecté ses chartes. Deuxième responsable, ça sera Amara. Amara a parlé devant France 24. On a deux journalistes qui sont témoins. Alain Fokar est là. Non, oui. Alain eh, l'autre là. Comment il s'appelle là Alain Fokar est témoin. L'autre journaliste aussi qui a interrogé aussi Amara. Amara a dit que Mamadi Doumbou était un homme de parole. Voici. Troisième témoin encore. De la guerre civile qui va se déclencher en Guinée, là, ça sera Ousmane Gawa. Lui aussi, il a été interrogé devant le même journaliste encore. Il a dit écoutez, Mamadi Doumbouya, que j'ai connu, c'est un homme de parole. Il a dit qu'il ne sera pas candidat, ni lui, ni quelqu'un d'autre. Maintenant, après, les autres encore qui vont suivre le. Ça dit, sur la liste de ces criminels qui vont organiser cette guerre civile. Vous jouez avec le fin. Si Mamadi Doumbouya dit que 2025, là, il va s'imposer le. Il a dit dans ses vidéos qu'il ne peut pas imposer quelque chose au Guinée. Il ne peut pas les arracher leur droit. Mamadi Doumbouya a dit ça devant le monde entier. Il a dit que c'est, si je m'appelle Mamadi Doumbouya. Il a dit devant les gens qu'il va respecter sa parole. Il est homme de parole. Il a dit Mamadi Doumbouya, son article 47, s'il n'arrive pas à respecter... S'il n'arrive pas à respecter son engagement, que la loi soit appliquée contre lui, là. Nous, on n'est pas pressés. Faites tout ce que vous voulez, là. Faites tout ce que vous voulez, là. Faites tout ce que vous voulez. Maintenant, je vais, je vais laisser ce côté-là. On va venir maintenant parler de l'armée. Là où je vous parle aujourd'hui, là. Idiamine a déjà formé 350 Malinkés de Farana. Écoutez-moi. Hein. Je veux partir prier après. Où oh, je vous parle aujourd'hui, là, Idiamine, les militaires que Idiamine a fait sortir la liste, là, les 500 et quelques, là. Facile le système. Le système, c'est quoi? Ils vont éliminer tous les militaires là. Tous les militaires là qui étaient dans l'armée républicaine là, dans l'armée guinéenne là. Leur immatriculation là. Idi Amin va prendre ça là. Il va remettre ça aux malinqués. Ils ont choisi un petit groupe de malinqués. Les immatriculations que les autres avaient, ils ont utilisées là. Idi Amin va écouter leur plan. Hein. Ils vont prendre l'immatriculation là. Introduire le groupe de malinqués là dans l'armée. À la gendarmerie, à la gendarmerie, parce que Idi Amin et Mamadi Doumbouya, il y a deux, ou trois, deux clans qui dirigent ce pays-là. Il y a le clan de Mamadi Doumbouya avec l'autre-là, Amara, et Baba Bari, Partacus, Commando Farai. Maintenant, Idi Amin, lui, il est seul avec Bala Samora. Écoutez, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Qu'est-ce que. Idi Amin est en train de préparer là. Tout ce qui se passe aujourd'hui là, Idi Amin, qu'est-ce qu'il veut Il veut faire révolter la population contre Mamadi Doumbouya. Mais Mamadi Doumbouya, on le parle depuis là, il ne comprend rien. Idi Amin est en train de chercher comment énerver cette population. Il a tenté plus de trois plus de fois, quatre fois. Ça n'a pas, pas donné de bons résultats. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Il faut enlever les militaires là, dans l'armée républicaine et prend les les, ça dit, les jeunes qu'il a ramassés dans Farana là. Il va prendre les jeunes là, les, les introduire dans l'armée en utilisant l'immatriculation des autres militaires qu'ils ont que lui-même il a radié dans l'armée guinéenne. Ils vont utiliser les mêmes numéros d'immatriculation. Ils vont remettre ça aux petits malinqués que Idiamine a choisi dans Farana. Les jeunes qu'il a choisi là plus de 350 personnes. Ils vont prendre les immatriculations là, les remettre en les imposant aussi à la gendarmerie. En les utilisant aussi avec Bala Samoura. Mais tout ce que vous êtes en train de faire là, nous on est au courant de tout ce que vous êtes en train de préparer là. Ça ne va pas marcher. Mamadi Doumbouya, s'il veut, il monte, il descend, il tombe par terre là. Mamadi Doumbouya ne va pas diriger ce pays là, après 2025 là. Écrivez ça dans cette vidéo et gardez ma vidéo. Gardez cette vidéo marée au vidéo en bon souvenir. 2025 mm -hmm. do ko wata la guiné consi mamadi doumbia kitali ngoulam. Hakou nen Allah onon digir on ya surprise di den. On ya surprise di den wallahi billahi taala. Mamadi Doumbouya sine kedo après le 2025 do wanko o jodo te hore guiné. D'abord, yeto d'etat au janvier. Le 1er janvier 2025 cara la guiné Alan de cara président. C'est pour cela, j'ai dit oh euh, à tous les grands les trois grands partis politiques là l'IFDG, IFR, RPG Racanciel la société civile la l'ANAT, FNDC politique là. Je vous ai dit à M. Sano Kounduno, n'attendez pas jusqu'à la fin pour mener un combat. Organisez-vous à l'heure là. Je vous ai dit ça là depuis des mois et des mois, je suis en train de dénoncer ça. Organisez-vous à l'heure là le 1er janvier 2025 là dit devant la communauté internationale il faut faire passer cest à il faut faire passer les décrets là parce que mon mari Dumbuya est venu avec les armes après il a imposé ses décrets vous aussi à partir du 1er janvier 2025 là mettez vos décrets en, en application mettez vos décrets là en application votre décret là c'est quoi vous allez décréter devant le monde entier à partir du 1er janvier 2025, le CNRD n'est plus reconnu sur le plan national, sur le plan international, comme un gouvernement de la transition. Le CNRD est classé parmi, parmi un gouvernement de la trahison. Vous comprenez Faites votre décret là, faites votre communication là. Faites votre communiqué, votre communication. Ah, Alpha Beni, si c'est Maroc, Noël, des ça va mm. Donc, faites votre voix de communication, Dimondi. Tintini non présidentiel ou d'Alen. T'as dit, il y a un bon à la fin. Non, c'est le bon moment de préparer. T'as dit, il faut foncer directement. Oh, Taragol, Taragol, c'est trop. Foncez directement. Janvier 2021, si Mamadi Doumbouyal, on en dit, il n'est plus représentable. on Parce que tout ce que Mamadi Doumbouyal. En train de préparer là, je vais dire aux Guinéens, le 31 décembre, Mamadi Doumbouya va se déclarer comme candidat. Écoutez, hein, ceux qui sont en train de préparer là, le 31 décembre, là, Mamadi Doumbouya dans son discours, il va dire aux Guinéens qu'il déclare qu'il est candidat. Hum. Tu joues avec le feu, petit Malinke. Vous jouez avec le feu cette fois-ci là. Mais on va vous montrer cette fois-ci là. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Il n'y a pas un demi-Guinéen ou un Guinéen 100% Nous tous, on est nés en Guinée, ça nous appartient, nous tous. Le pouvoir n'est pas, à dit, destiné seulement à une ethnie malinquée en Guinée. Mamadi Doumbouya a pris les armes. Il a destitué Alpha Condé. On va utiliser le même système. On va le prendre aussi. On va utiliser les armes. C'est ça, hein C'est la démocratie en Guinée. lui qui est fort là, qui a les armes. Tu viens enlever Doumbouya, tu, tu vas aller t'es déclaré à la RTG que t'es devenu le nouveau président homme fort de la République de Guinée. C'est un système. C'est un système. Et puis tu vas aller à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, tu vas valider, valider, fallait valider, c'est le coup d'État. C'est ça. Ouais. Mamadi Doumbouya a fait la même chose. Nous aussi, on peut faire, on peut utiliser le même système. C'est pas un crime, c'est pas un délit. Il a utilisé les armes, il a tué des Guinéens il a délogé Alpha Condé on va utiliser le même système parce qu'il n'est pas légitime au pouvoir il n'y a pas midi 14h maintenant vous les petits malinké là qui rêvez là qui après le 5 le, le 31 décembre Mamadi Doumbouya sera président vous n'avez rien compris votre tête là c'est l'eau qui est dedans l'eau Mamadi Doumbouya il connaît jusqu'à présent s'il n'arrive pas nous montrer cette farfelue constitution cette farfelue constitution qui disait avant projet. J'ai dit, ça dit, les gens là, ils sont forts. Simandou 2040. J'interpelle tous les Guinéens ici, là, tous les grands intellectuels, qu'ils m'écoutent là. D'abord, le coup d'État est interdit, même dans la charte de la bonne gouvernance de la CDAO. Même aux Nations Unies, le coup d'État n'est pas légitime. Ça, c'est un d'abord. Deuxièmement, quelqu'un qui a pris les armes, il est venu assassiner des gardes-corps. L'armée républicaine, enlever le président. Que Alpha Condé soit mal élu, nous on s'en fout de ça. Qu'il soit mal élu, on s'en fout de ça. Mais Alpha Condé était dans la légitimité plus que Mamadi Doumbouya. Parce qu'Alpha Condé n'a pas utilisé les armes malgré qu'ils ont fait une délinquance électorale contre ces lodales là C'est pas grave. Mais Mamadi Doumbouya, il a utilisé les armes. Venir braquer un pays en tant que français. Il est titulaire d'un passeport français. Il est français alors. Mamadi Doumbouya est un français. Il a utilisé d'abord ça, c'est, on doit le condamner même. Voilà. Pour la déstabilisation de la souveraineté nationale de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya doit être jugé pour ça d'abord. Sans compter même là les crimes contre l'humanité qu'il est venu faire en Guinée. Plus de 600 morts. De 5 septembre 2020, 5 septembre 2021, novembre 2024, plus de 600 et quelques morts. Il est venu nous faire maintenant, nous montrer encore une nouvelle prison de Kamboaro à Kassa. Combien de Guinéens qui sont assassinés là-bas Combien de mili militaires qui sont détenus là-bas Plus de 300 et quelques militaires qui sont détenus dans la prison de Kassa par Mamadi Doumbouya. On ne parle même pas des Kankan là-bas. Ils sont tous détenus là-bas par la grâce de Mamadi Doumbouya. Par ce criminel psychopathe-là. Donc, vous qui rêvez que Mamadi Doumbouya... Adasi, Atananabe, vous êtes des escrocs. Je vais vous dire, je ne, suis pas un, je ne suis pas un savant. Tous ceux qui sont en train de soutenir Mamadi Doumbia, wallahi Bilay, un jour viendra en Guinée, là. Vous là, vous là, votre famille là, de génération en génération, vous allez chercher du travail en Guinée jusqu'à la fin de votre vie là. Personne de vous ne va trouver un travail en Guinée. Gardez ma vidéo là. Toutes les personnes qui sont en train de soutenir Momadi Doumbia dans le banditisme, dans l'intelligence, vous pensez que vous êtes intelligent, un jour viendra en République de Guinée. Parmi vous là, non seulement vous ne pouvez plus marcher en Guinée, c'est-à-dire le temps, quand le temps là va arriver, là, parmi vous là, personne de vous ne va soulever sa tête pour dire un mot à un Guinéen ou une phrase à un Guinéen. Commencez à Makanera, KPC, tous les autres escrocs de Baouri là, etc., etc. etcetera etcetera vous avez compris non 1 minute allô euh menila mm. what de dor do life sim guy name 10 minuti, ma 5 minuti. un jour viendra wallahi billah talay ye en de be Continuez votre malhonnêteté, là. L'ingratitude, là. Continuez. Ce farfelé de Macanera là. Ce, ce criminel. Escroc... Escuro, qui là. Toi, tu n'as pas honte. Tu n'as pas de dignité. C'est toi qui insultais le papa, la famille de l'ami de Devant les, devant le monde entier. Ce que tu as fait aujourd'hui, l'ami Girassi a plus de dignité que toi-même. Même les l'ami Girassi, là, quand je les disais, de sortir dans les jeux de Mamadi Doumbouya, là. À l'époque, ils m'ont pas écouté. Je les ai dit. Après ça là, ça sera votre tour. Eux mêmes ils ont escroqué même. Mamadi dit je veux vous dire avant de quitter le direct là. Je veux vous dire là. Hum, la famille mettez les cœurs Fais <laughs> fait Facebook ma. Il y a il y a des ces choses qui vont dans dans les jours à venir là. Il y a des choses qui seront relevées sur les réseaux sociaux là. Contre les blogueurs, les communicants là.

Je vous ai dit beaucoup de communicants, beaucoup de tchatchers sur les réseaux sociaux là, sur Facebook, des communicants, des blogueurs là. Dans les jours à venir là, il y aura des secrets qui seront versés sur les réseaux sociaux là. Les blogueurs là ne vont plus avoir la tête même de parler, même allumer leur téléphone là, dire un mot. La honte totale. D'autres même peuvent mourir dans ça, la honte. Dans ces jours à venir là, vous allez voir. Ils sont trois personnes, et trois. Qui faisait semblant d'aimer les Guinéens... Qui faisaient semblant... Qui sont en train de combattre Mamadi Doumbouya là... Les mêmes escrocs là derrière... Ils vont aller prendre l'argent avec Mamadi Doumbouya... Ils vont venir s'asseoir sur les réseaux sociaux... Faire semblant devant les Guinéens qu'ils aimaient... Ils sont trois hein... Ils sont trois... Trois... Ils sont trois... Deux blogueurs et un communicant... Vous allez voir... Quand ils vont verser la honte là... Vous là... Personne de vous ne va oser même se sortir sur les réseaux sociaux, même ouvrir même un téléphone à dire qu'il va faire le live. Il y a guicoté, non, non, moi, il y a Guy Côté. Vous allez voir dans les jours à venir là. Yo, les gens là qui faisaient semblant, c'est que Mamadi Doumbouya a fait, c'est pas bon. Oh, ils ont escroqué Mamadi Dumbuya. Ils ont escroqué le CNRD. Ils ont escroqué beaucoup de personnes. Moi, les choses là, ça ne m'intéresse pas. Voici mon téléphone ici, j'ai tout ici, on m'a amené tout. Mais c'est des choses, moi, qui n'est pas dans mon combat. Toutes les trois personnes là sont là, là dans mon téléphone là. Et Des vrais escrocs. Sont nani cest ça dit, on her sa Yo, ben, quoi, y'a ka réseau socio d'eau. Il n'a combat pour tous les Guinéens. C'est comme ça. Le CNRD n'est pas bon. Yo, les gens là ont escroqué même de l'argent à Mamadi Doumbouya, Des millions, des millions, millions de francs guinéens. Des devises, des devises, des devises. On les prend dans les coins, et on les remet 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. On est au courant de tout. Voici mon téléphone, tout est là. Mais mon combat, ce n'est pas vous. Moi, je ne vous calcule pas. Vous êtes des cafards devant moi. Vous êtes des petits cafards devant moi. Moi je ne veux pas prendre mon temps ici pour venir parler de vous. Ça ne m'intéresse pas. Mais je vous dis seulement que vous êtes trois. Vous êtes trois personnes. Votre visage sera, sera montré au Guinéens dans, dans quelques semaines. Et tous les Guinéens vont attraper leur tête. Ko le Guinéen est, Guiné est méchant. Le Guinée est connu, inconnu. Le guiné est méchant. Vous allez voir les révélations là, quand ça va sortir là. Ils sont trois, hein? Ils sont trois. Vous allez voir. Ce qui était là, on est avec FNDC. Eh, hey, comme ça, comme ça. Eh, hey, Mamadi Doumbouya est un criminel. Ils sont partis même escroquer Mamadi Doumbouya, de l'argent. Des devises, des millions, millions de francs guinéens. Des escrocs qui sortaient sur les réseaux sociaux, qui se sacrifiaient même pour, la, pour cette population. Or, tout était faux. Abir Ngoulet, ils menaient leur combat pour escroquer le CNRD. Mais moi, je n'ai pas le temps de parler de ça ici. Tout ce qui m'intéresse en Guinée, c'est le CNRD. Qui encore, dit Dumbuya C'est ça. Personne ne va venir me distraire ici. là. On m'a envoyé, envoyé les informations là dans mon téléphone. Aujourd'hui même. Je dis à la personne, merci beaucoup, mais moi, les choses comme ça ne m'intéressent pas. Venez parler pour faire, comment on appelle ça, pour faire du buzz ici, parler de tel, tel a volé l'argent, on m'a dit, tel a fait comme ça, tel a fait, c'est pas, mon, moi, mon combat n'est pas là-bas. Mon combat, c'est contre le CNRD. Comment on va récupérer notre pays dans les mains de ces criminels ethnos C'est tout dans, dans la main de ces voyous délinquants qui sont des sanguinaires qui sont au pouvoir. Hein? En trois ans, l'argent qu'ils ont détourné en Guinée, c'est la première fois dans l'histoire de la République de Guinée. Presque 4 milliards de dollars que les gens là ont détourné. Tu les entends, eh, Simandou 2040. Hé, hey, j'ai dit, l'école est bonne. Aucune personne ne peut toucher le contrat de Simandou en tant que. Si un président ne soit pas élu en République de Guinée, même si, on, même si on, ça dit, on trique les élections là, pour que cette personne soit élue, là, personne ne peut changer la signature d'Alpha Condé sur, sur le Mont Simandou. Alpha Condé a signé le contrat avec les Chinois, le contrat de 20 milliards de dollars. Alpha Condé a mené Benny Steiner au, au tribunal, à la justice. Alpha Condé a gagné le procès. Et la Guinée a été dédommagée plus de 800, millions de 800 millions de dollars. Le contrat de Simandou a été signé par Alpha Condé avec le président chinois qui est en vie à l'heure actuelle. Personne ne peut venir modifier le contrat de là si c'est pas Alpha Condé ou il vient au pouvoir encore ou ils vont aller aux élections et le contrat là ne sera pas annulé encore. Il y aura seulement peut-être des modifications dans le contrat. Où ils vont parler de pourcentage de plus ou moins. C'est tout. Mais ce pas Mamadi Doumbouya qui a pris les armes. Regardez tous leurs projets, Simandou, Simandou et, et 2040. C'est tout. Demain, ils n'ont qu'à vous donner la définition de Simandou 2040. Ils ne connaissent même pas. C'est comme ça ils sont en train. d'écouter la télé, la radio, Simandou 2040. Et les gens sont là. Ça fait plus de deux ans, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Des farfeli comme ça, là. Simandou 2040. C'est devenu des slogans. Simandou 2040. Demandez même les escrocs là qui les soutiennent là. Posez cette question. Simandou 2040 veut dire quoi Ils vont dire c'est des projets. Quels projets Personne ne peut annuler la signature d'Alpha Condé là-bas. Je ne soutiens pas Alpha Condé. Hein, mais les gens qui font semblant d'aller à l'école, qui ne sont pas allés à l'école renseignez-vous. Je ne suis pas un, je ne suis pas un professeur de droit. Mais je connais le droit un peu. Je connais qu'est-ce que c'est qu'un État. Je connais qu'est-ce que c'est qu'une constitution. Alpha Condé, personne ne peut modifier sa signature là-bas. Si c'est pas un autre président qui devient élu par son propre peuple encore après Alpha Condé, le président là aussi ne peut pas annuler le contrat, la signature d'Alpha Condé. Ils vont changer seulement ou de plus ou de moins. C'est tout. Le contrat là est déjà signé avec le président chinois. Les farfelis là viennent vous vendre le rêve 2040, 2000, Simandou 2040. Ils n'ont pas d'argent. Il n'y a plus l'argent en Guinée. L'argent qu'ils sont en train de faire circuler pour faire les campagnes, jouer le ballon là. Vous avez entendu le 1er décembre qu'ils vont faire de campagne. Notre pays là, la Guinée, partout le 1er décembre là, que partout où dans toutes les préfectures là, le 1er décembre là, tous les Guinéens vont jouer le ballon, Final pour Mamadi Doumbouya, Final de Mamadi Doumbouya ce sera le 1er décembre 2020, 2024, on va jouer finale pour Mamadi Doumbouya dans toutes les préfectures, partout en Guinée, le 1er décembre, des vauriens comme ça là, Simandou 2040, il y a quoi dans Simandou 2040 Ils ont arrêté tout Aujourd'hui là, qui entre les contrats de mine tout, tout est arrêté. C'est comme le Mali. Mali, aujourd'hui, la société australienne là, ils ont arrêté. Niger, la même chose. Niger de Tiani, Les Français, Bouygues, ils ont arrêté tout. Vous parlez de quoi là pour venir tromper les gens. Vous venez tromper les gens, les gros mots là, Simandou 2040, Simandou 2040. Arrêtez de vendre des illusions aux Guinéens. Arrêtez, tu le demandes 2040, c'est quoi Ils ne connaissent même pas, comme ce que l'autre m'a dit hier, avant-projet avant projet de la Constitution. Je lui demande la définition, il ne peut pas m'expliquer. Et puis il se fâche. Donne-moi, explique-moi, projet, projet d'avant-constitution, détaille-moi tout, ça signifie quoi Donne-moi donne tout, donne-moi les définitions. Il est incapable, après il se fâche. On lui dit menasi Dumbouya ne quitte pas, on va faire un autre coup d'état. Ah, il n'est pas d'accord. Atiko manika yo na au d'accord, au coup d'état ta wadé handé ka de Dumbouya. Si Dumbouya il est venu par un coup d'état. Si Dumbouya ne respecte pas sa parole, il va partir par un coup d'état. Ne soyez pas surpris de ça. Il a pas de sacrifice pour ça. La Guinée n'appartient pas à son papa ni à sa famille. La Guinée n'appartient pas à un petit clan malinké. Hein? Tout le problème de la Guinée, là, c'est seulement ces Ils ne veulent pas voir ces loups d'aller au pouvoir. Moi, je ne suis pas Dieu. Je prie seulement que Dieu lui donne une longue vie. C'est tout. Donc, euh, portez-vous bien. On se reprend demain. Je me porte bien maintenant, là. Et partagez le petit direct, là, dans tous les groupes. Ciao, ciao.